D'un seul coup, on se retrouve dans les bras de quelqu'un. Pendant 3 minutes, on fait un voyage ensemble. Grâce à la musique, on vit des sensations, on se partage, on dialogue. C'est très émouvant. Le tango, c'est une façon de vivre, c'est une identité. On retrouve à l'intérieur de cette passion la musique, la danse, la parole, la poésie. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une manière de vivre, c'est une manière tout simplement d'aimer la vie. Le bal a pris le nom de milonga. La milonga aussi, c'est un genre. Mais on appelle milonga aussi au lieu où on va danser. C'est plutôt à Buenos Aires qu'on trouve ça. On se regarde, elle te regarde, on fixe. Et au moment que là, on est sûr, tac, on fait juste un... ce qu'on appelle le cabeceo. Et on se retrouve à la piste. On invite de loin. Et c'est là où ça commence déjà la danse. C'est dans cette séduction. C'est une danse de séduction. On va se retrouver avec quelqu'un dans les bras de quelqu'un. Donc ces règles-là, il faut les apprendre. Et petit à petit, peut-être en faisant des bêtises, qu'on les apprend. Et on se transmet de génération en génération. La grande masse touristique est arrivée à Buenos Aires pour le tango. Et c'est là où les milongas ont commencé à fleurir. Les cours de danse sont partout. Donc il n'y a pas seulement la joie et la reconnaissance de dire « Vous êtes bienvenus, vous venez voir, nous on vous montre qu'est-ce qu'on partage avec vous » parce que l'Argentin, il a cette caractéristique d'aimer beaucoup le partage. Celui qui aime le tango, aime la vie.